Et coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim baraka ala sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je suis au taquet, hein, alors je vous dis, fallait me voir hier, hein, fallait me voir hier, avant-hier, c'était pas ça du tout. Voilà, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai commencé une nouvelle activité, une activité sportive. Aïe 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 aïe. J'ai fait, avec la séance d'hier, j'ai fait trois séances déjà. Et ça commence à aller mieux, mais entre celle de lundi et celle de mercredi, c'était pas ça du tout. J'arrive même pas à m'asseoir. Ouais. Voilà. Encore aujourd'hui, voilà, on m'entend encore dire aïe 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 quand je m'assieds, quand je me relève, c'est quelque chose. Non, mais franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien, un bien fou au moral. En fait, franchement, je le fais pas que dans le but. Je vais pas dire pas dans le but. Parce que c'est se mentir. Bien sûr, si je peux perdre des kilos, je serai la plus heureuse. Mais pas que dans le but de perdre du poids. C'est surtout pour ma santé physique, ma santé morale. Et je me dis, si là-dedans il va bien, et ben franchement, ben voilà, je serai plus épanouie, plus heureuse, et ça se sentira aussi à la maison, auprès des miens. Voilà, ça c'est super important. Alors je vous invite aussi à aller marcher, à aller courir, à aller faire du sport et vous mettre en tenue. Ben, nous, on a la chance parce que c'est un cours spécial féminin et voilà, on peut se lâcher, on peut enlever la hebaya, le voile et tout. Non mais franchement, ça fait grave du bien, ça fait grave du bien. En plus voilà, il y a ce mélange en fait. Moi, c'est ça aussi que j'ai apprécié dans ce cours. Bon, j'en ai fait que trois pour l'instant, hein. Je suis toute nouvelle. C'est pour finir l'année en fait. Voilà, Zama, le summer body comme on dit. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais moi, j'aime bien en fait cette mixité de femmes voilées, non voilées, de tous les âges un petit peu. Et la morphologie aussi, voilà. Non, mais pas que, non, c'est cet échange en fait. Moi, voilà, moi j'aime bien. Et puis, ben, je me dis, je sais pas, j'ai ça en fait en tête. Je me dis, s'il y a une personne dans le groupe qui trouvait que les femmes voilées étaient un petit peu coincées ou qu'elles n'aimaient pas se découvrir en communauté féminine ou des choses comme ça. Bah voilà, elles voient qu'en fait on est des faux folles et que nous aussi on veut boxer et tout. Ah oui, on fait un petit peu de boxe. Je vous dis, enfin, ouais, doucement Leïla, parce que t'as encore quelques courbatures. Non mais franchement, ça fait trop, trop, trop du bien. Vraiment, voilà, cherchez autour de vous, quitte à juste faire un petit peu à la maison. Mais franchement, la vérité. De vous à moi. La vérité, c'est pas du tout la même motivation. C'est pas du tout la même volonté, en fait. Quand vous entendez le coach, allez, lâche rien, allez, on lâche rien, les filles, hein. Allez, encore, encore. Franchement, même quand t'as envie de craquer et tout, que tu vois que les autres, elles craquent pas, tu dis, prends sur toi, allez. Non, mais vraiment, vraiment. Que quand on fait à la maison, voilà, 2 secondes après, on lâche. Mais quand même, si vous n'avez pas la possibilité, bah, au moins mettez sur Internet, sur YouTube, vous avez le nécessaire. Allez marcher, prenez une petite gourde, une petite casquette, un petit chapeau, faites le tour et tout, marchez tranquille à votre rythme. Et franchement, ça fait trop du bien de souffler, de soupirer comme ça et tout, d'enlever tout ce qu'on a à l'intérieur. Et surtout nous les mamans, surtout nous les femmes, on a à tenir notre intérieur, la maison, les enfants. Il faut qu'ils soient irréprochables, pas une tache. Il faut qu'ils soient bien, il faut qu'ils aient bien mangé, la cuisine, le ménage, la popote, le linge, le ci, le ça. Nous-mêmes, on n'arrive même pas à avoir du temps pour nous. On prend pas suffisamment de temps pour nous. Voilà. Alors allez-y. Moi, c'est le soir. Je vous le cache pas. La vérité, c'est le soir. Bon, après, je rentre pas à minuit non plus, hein. Mais c'est vrai que je peux rentrer des fois vers 22h, 22. Ouais, si on papote, parce que ça finit à 21h30. Si on papote, parce qu'on papote, on papote énormément après. Mais voilà, c'est pas tout le temps. Et puis, ben, c'est aller faire du sport. C'est pas, je suis pas dans un endroit, voilà. Je suis avec mes copines et je suis en train de. En plus, pour la première fois, on arrive à se réunir nous cinq. Alors, franchement, c'est un exploit. Dieu merci, Alhamdoulilah, parce que franchement, ouais, on rigole bien. On se tape des rires, des barres de rire. Mais attention, attention, parce que, ben, on peut avoir des punitions. Là, pour l'instant, je trouve qu'on est assez gentil avec moi. Mais je crois que dans pas longtemps, je vais être bien punie. Ah ouais. En plus, c'est 50. 50 quoi? Alors, attendez. Squat. Il y a encore des mots, voilà. Je connais pas et tout, mais on fait un petit peu de tout. Et franchement, j'ai morflé. Je morfle encore un petit peu. J'ai un petit peu des courbatures et tout, mais ça commence à partir. Une chose, un conseil. Ça, mon mari me l'avait donné. Et franchement, faites-le aussi, puisqu'on a eu confirmation des coachs hier. Si toutefois, vous vous mettez à faire une activité sportive,
Donc, vous avez des douleurs et des grosses douleurs comme moi, des grosses, grosses, grosses courbatures, et ben déjà, il faut bien s'étirer après. Voilà. Et pas après le sport. Déjà, prenez une douche. Et après la douche, faites des étirements. Voilà, faites bien 1 heure, 2 heures après, même 3 heures après, elle m'a dit, il faut faire des étirements. Apparemment, ça ne sert à rien de les faire juste après l'activité sportive, après le sport. Voilà, il faut les faire quelques temps après, tranquille, même à la maison, devant la télé et tout, vous étirez tranquillement et tout, un petit peu de partout. C'est surtout les jambes. Hein. Encore là, ça va, mais c'est surtout les jambes, je vous dis pas, hein, c'était ah, pour descendre ça, pour les monter et les descendre, c'est bon, j'étais bloquée. Quand je monte. Je reste en haut, quand je descends, je dis c'est bon, je monte plus. Non, mais je vous jure, il fallait me voir. Hein. Non, mais c'était quelque chose hier. Mais malgré ça, je suis quand même partie. Mon mari m'a dit, dans cet état-là, t'es obligée de refaire. Il m'a dit, en plus, c'est le lundi, le mercredi. Il me dit, normalement, le mardi, t'aurais dû faire une séance et tout. J'ai essayé de faire quand même maison. Mais comme je lui dis, mais t'as mal, comment tu veux faire? Et je me suis obligée hier, et franchement, après ça, quand même, c'est un petit peu atténué, je trouve que Dieu merci, alhamdoulilah, franchement, ça commence à aller mieux. Mais à savoir, si vous avez des grosses courbatures, ben refaites derrière des exercices, voilà, quitte à les faire à la maison et tout, et même, voilà, repartez à votre sport, comme ça va passer. Vous allez voir qu'après, le jour même, dans la soirée, le lendemain au réveil, vous allez voir, c'est beaucoup moindre. Bref. J'étais à Action, pour pas vous mentir. Voilà, je vais pas vous dire je vais à Action, malgré que j'étais en abeille comme ça avec mon trench, j'avais pas envie de me changer. Je reviens là de chez Action, voilà, j'ai pris celle-ci, elle est en promotion si vous êtes intéressé. J'ai pris celle-ci parce que la mienne, elle a lâché. Voilà, déjà celle-ci, je l'avais. Avec le déménagement, il y a un bras qui est parti. Il y avait un bras là qui était parti. Bref, il faut que j'en prenne une autre. Et la grise aussi, voilà, elle s'est cassée. On avait mis trop de choses dessus et tout. J'avais pris un tas de vêtements et j'ai posé, c'est moi, hein, j'ai fait l'erreur. Hein, voilà, ça arrive. Puis celle-ci, là, elle est à 20 euros. Elle est à 20 euros et franchement, j'aime bien celle-ci, la Vileda. Elle tient quand même bien le coup. Hein. Faut après pas faire comme moi et mettre des couettes et tout. Ça, c'est notre défaut à nous, là. Non, mais je vous jure. J'ai pris ce petit soleil, là, comme ça, en miroir, pour ajouter. C'est comment on les toilettes. Oui, je mélange le français et arabe parfois. Et j'ai pris cette mayonnaise. Voilà, j'ai pris cette mayonnaise parce que j'ai croisé l'une d'entre vous. Un bonbon, un sucre, je vous jure. Et puis voilà, elle est venue pour la prendre. Et puis ben, je lui dis, mais celle-ci, c'est vrai que j'ai toujours entendu qu'elle était très très bien et que surtout pour nous, voilà, qu'il n'y a pas d'alcool. Et ben effectivement, il n'y a pas d'alcool, celle-ci, vous pouvez la prendre. Et elle est en promo. Voilà tout. Gros bisous à toi. Merci, c'était un réel plaisir de te voir, de te rencontrer. Gros bisous à Sofia, Inaya et Iliès. Voilà, je me suis rappelé des noms, hein, des prénoms, parce que généralement, je ne me rappelle pas. C'est difficile chez moi pour me rappeler Eden, Jana, surtout les filles. Je suis toujours en train d'inverser. Je demandais à ma mère avant, mais maman, pourquoi tu inverses? Non, je ne m'appelle pas Nadja, moi, c'est moi, Leïla. Elle me dit, ah, tu verras plus tard et tout quand tu auras des enfants. Bah, effectivement. Bah, gros bisous à vous, merci à toi. Voilà, ça m'a fait un grand, grand plaisir de te rencontrer, de te voir. C'est réciproque. J'aime toujours vous rencontrer, vraiment, ça me fait toujours plaisir. Faites pas attention si je suis un petit peu dans un état ou quoi. Des fois, voilà, on n'est pas tout le temps dans notre assiette non plus. On a nos hauts et nos bas, hein, comme tout le monde. Hein, voilà, des fois, on est un petit peu fatigué, des fois, on est énervé, etc. Voilà tout. Mais moi, ça me fait toujours, toujours plaisir de vous rencontrer, de vous voir. Vraiment, c'est un réel plaisir. Bon, maintenant, je vous laisse tout de suite avec. Je suis en train de bugger. Avec les promos de chez Action. Moi, je vous embrasse très, très fort. Bon visionnage. Merci encore pour votre soutien, pour tout ce que vous pouvez me procurer. Vraiment. C'est pour moi une sadaqa jariya, parce que bah, vous me procurez beaucoup, beaucoup de bien, beaucoup de motivation, beaucoup de bienveillance. Et des fois, je n'ai pas le moral et je vous lis. Et tout d'un coup, voilà, je vois vos doigts, vos invocations pour moi, pour ma famille, etc. Ça ne peut que me faire plaisir. Alors, merci beaucoup. Barakallahu fikoum. Allah yjazikoum bil khair. Allah yhfadkoum liya, ya rabbi. Amin. Que Dieu vous préserve et protège ainsi que vos familles. Ya rabbi, amin. Merci.
tous les cafés. On cherche mes frères aujourd'hui.